Salut à tous, bienvenue sur Rivelot TV pour cette nouvelle expédition. Nous allons visiter une ancienne école de pêche qui a été abandonnée depuis plus de 25 ans. Je suis actuellement au niveau du réfectoire et je vous invite tout de suite à me suivre pour cette nouvelle visite. Notre visite commence au niveau du réfectoire. Je suis actuellement dans une pièce qui ressemblerait à une chambre avec ce lit, bien sûr qui a pu être amené par des gens qui ont visité avant moi ce lieu. On dirait des appartements en fait, tout simplement. Et au bout de cette porte, il y a le réfectoire. On voit sur le mur une petite tablette qui maintenait la télévision à l'époque. Nous sommes au niveau des cuisines avec la hotte aspirante que l'on peut voir accrochée au plafond. Au vu de la taille de ce réfectoire, je pense qu'une centaine d'élèves pouvaient tenir largement. À l'intérieur, sur les côtés, vous pouvez voir donc le comptoir qui distribuait les vivres, je pense, au niveau des cuisines. Là, je suis en train de rentrer dans les cuisines. Je passe sous la hotte aspirante. Et tout au fond, il y a la chambre froide. Voilà la chambre froide. Qui ne semble pas très grande par rapport à la quantité d'élèves qu'il pouvait y avoir dans ce lycée. Lycée qui a été abandonné depuis plus de 25 ans. On estime à peu près à 1996. Une des dernières années où il avait été occupé. Ici, le monde charge pour les aliments.
Je repasse par le réfectoire pour me rendre dans les pièces adjacentes. Et je pense que l'une de ces pièces devait servir au prof lors des repas. Pour le reste des pièces, c'est un mystère. À quoi servait-elle? C'est difficile de le savoir vu l'état assez dégradé. Je me dirige vers cet escalier qui est tout au bout du réfectoire et je descends. Je descends vers l'entrée principale. Je me trouve au niveau du semi-sous-sol. Et vous voyez à travers les carreaux en face la porte principale d'accès du réfectoire depuis le bâtiment des salles de cours qui se trouve en contrebas. Puisque cette école de pêche se situe sur une pente. J'entre maintenant dans la salle des archives, où l'on peut voir encore beaucoup de papiers, documents différents, factures, etc. Et cette machine à écrire, je suppose. Ici, on peut deviner un photocopieur. Je descends donc vers l'accès principal qui a bien sûr été muré. Voilà pourquoi nous sommes dans le noir complet. Tout de suite en bas des escaliers sur la gauche, vous pourrez voir les vestiges de ce passé. C'est un matelas. Et depuis cette entrée principale, je me dirige dans un petit couloir qui donne accès à un autre niveau. Mais avant cela, une petite pièce sur la gauche, on dirait un laboratoire. À quoi servait-il? C'est un mystère. En sortant tout de suite sur la droite, il y a une autre pièce et
Ça serait plutôt un garage. On voit une porte de garage au fond. Je continue mon chemin, je remonte un petit peu et j'arrive à ce niveau où tout de suite sur la droite il y a des toilettes et douches. Ici encore des vestiges de ce passé avec des matelas qui ont été brûlés. Sans doute par des personnes qui sont passées bien avant moi. Je me dirige maintenant vers des arrière-pièces où il y a un stock d'armoires. Et un stock assez important de matelas jusque tout au fond de cette pièce. Et derrière cette porte, j'arrive ici, au niveau du stock de matelas et traversins. Je pense qu'il y avait également des draps. Ça devait être un stock de lingerie. Je continue mon chemin et j'arrive dans un autre couloir qui dessert plusieurs pièces, dont celle-ci, où nous entrons actuellement, qui est la chaufferie, avec les deux ballons d'eau chaude couleur rouge-orange, ainsi que les chaudières. Par sécurité, j'ai disjoncté, bien sûr. Pas moi, mais le tableau électrique. Ici, c'est la cuve à fioul. Stockage, je pense. De là, je me
retrouve ici dans cette pièce qui devait servir de stockage des aliments, puisque je retrouve le monte-charge que l'on a vu tout à l'heure. J'arrive au bout du bâtiment. D'un côté, il y a l'escalier et de l'autre, une petite pièce qui devait servir de toilette, je pense. Je remonte, je me retrouve au niveau du réfectoire et je continue donc à monter les escaliers pour ensuite aller au niveau supérieur, dernier étage, où je me retrouve dans le dortoir. Je m'arrête en passant devant la machinerie du monte-charge. J'entre dans le dortoir. Vous voyez que ce sont des grandes pièces séparées par des cloisons, dont celle-ci, la première, a été détruite, bien sûr. On voit bien côté droit toutes les cloisons qui séparent environ 6 à 8 lits, d'après mes calculs. Je me dirige depuis le dortoir vers les toilettes et douches. Une voie sans issue. Thank you.
connaître les hiéroglyphes des gens qui sont passés un petit peu avant. Ici, comme dans beaucoup d'endroits abandonnés, le temps a marqué son passage. La pluie, le vent, le froid ont également marqué le sol et les murs. Ici, je me trouve dans une pièce qui ressemble à une petite chambre. Et d'après moi, je pense que c'était la chambre du surveillant de nuit. Ici, ce sont d'anciennes cheminées, des conduits de cheminée qui partent depuis les cuisines en dessous. Maintenant, je me dirige vers un côté de ce bâtiment, juste à côté des cuisines, où je passe par la fenêtre pour accéder, puisque vous voyez que la porte principale a été murée et condamnée, donc, vers des appartements. Alors, cet appartement, je ne sais pas à qui il pouvait servir. Peut-être des profs ou un surveillant.
cas, une chose est sûre, comme j'ai pu le constater, et que vous le voyez également par vous-même, cet appartement a été squatté pendant un petit moment, je pense. Je reviens au niveau du réfectoire et vous voyez que la nature a repris ses droits. On peut dire qu'ici, il servait de la nourriture bio. Et bien voilà, chers amis, notre exploration est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. C'était la partie 1 de l'école de pêche. Et je dis bien partie 1 parce qu'effectivement, nous avons vu le réfectoire ainsi que le dortoir. La prochaine fois, on visitera ce bâtiment-là pour de nouvelles aventures très passionnantes. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt. Salut à tous !